We hebben al gezien dat er sterke kandidaten zijn, maar we blijven er toch in geloven dat we een kans maken. 第一天是蛮紧张的感觉，可是后来看到可以跟各国、世界各国11个国家共同竞赛，我觉得紧张感已经不存在了。É uma experiência muito boa estar nesse quinto campeonato do Mundial do Pan e junto com outras grandes equipes também. Le fait d'être le candidat français, c'est vrai qu'on a un petit peu la pression sur les épaules vu que la France donc a gagné le mondial il y a deux ans. Et donc maintenant, c'est à nous d'assurer. Eh bien, écoutez, allez, messieurs, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Allez, on ouvre. On démarre. Do dia a dia, que é a baguete e as variações. O tampão típico do Brasil, ele é a base de fubá, que é um fubá que vem do milho, milho que é muito consumido no Brasil. E aí ele tem que ser feito uma polenta cozida e depois a indução no restante dos ingredientes. On a essayé de vraiment faire des choses qu'on n'a pas encore vues, de aussi jouer sur la hauteur, parce que bon, on va dire les viennoiseries, souvent c'est assez plat, donc on a essayé de chercher la hauteur, un peu de volume. Mais on va dire que c'est des viennoiseries assez flashy, donc voilà, qui tapent à l'œil. Et ben, on a vraiment tenu à ça, pas rester dans des tons trop, on va dire, plongés, entre guillemets. Quoi. On a essayé de changer un peu tout ça, donner un peu de vie. Vous avez 30 minutes pour monter vos pièces artistiques. Les gens disent que le Taïwan est comme un nœud, donc le nœud peut représenter le Taïwan de notre esprit. J'ai fait une histoire de l'histoire de la nœud, et je l'ai présenté. Le nœud, vit dans le Boyen Sanzon, à la chaleur, et c'est comme... Je vais continuer. Het artistiek stuk dat we gemaakt hebben, is eigenlijk, we hebben Vlaanderen en Wallonië samengebracht door een Antwerps kunstenaar, Rubens, en Adolf Sax, dat de Sax uitgevonden heeft, samen te brengen en zo België te vertegenwoordigen. Nous sommes à la fin de ce cinquième mondial.
les dés sont jetés. C'est le jury maintenant qui a seul, lui seul, la possibilité de pouvoir donc donner un vainqueur. Merci à tous, bravo à toutes les équipes. Si on gagnait le concours, ben déjà c'est sûr, ça serait une grande satisfaction personnelle. Sinon, c'est vrai qu'on s'est investi énormément, que ce soit au niveau du temps, parce que souvent les week-ends on faisait ça, les vacances sont passées là-dedans. Donc c'est vrai, ça serait quand même une grande satisfaction d'être reconnu aussi par ses pairs. C'est des grands noms de la boulangerie aussi qui viennent nous juger. Donc c'est vrai que ça serait un honneur.